Nombreux sont les enquêteurs à avoir tenté de percer ses secrets ces derniers temps. JRM Paranormal, Jordan Périgot, Spirit Experience. Y sont-ils pour autant arrivés? Il semblerait que non. C'est même tout contraire, certains participent même à donner à ce château une réputation qu'il n'a jamais portée avant. C'était mon avis jusqu'à ce que notre équipe se rende sur place, avec l'idée d'en finir avec les mystères qui entourent ce château. Serait-il possible que nos prédécesseurs aient manqué d'esprit critique, de bon sens, de capacité analytique? Ou alors, le château du Max est-il vraiment habité par des entités venues d'un autre monde? C'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cet épisode. Le château du Max va nous réserver bon nombre de surprises. J'espère que c'est quelqu'un. Alors munissez-vous d'un casque audio et bon visionnage. Le paranormal est un monde subtil aux frontières de la science et de la croyance. Les phénomènes que nous vivons peuvent parfois nous surprendre, nous faire peur, nous laisser dans l'incompréhension. Faut-il pour autant ne pas chercher à les comprendre et croire aveuglément sans se questionner? On dit que choisir la facilité n'est jamais la meilleure option. Alors nous n'empruntons aucun raccourci. Parce qu'à ERP03, nous ne voulons pas croire, nous voulons... Vous allez regarder Enquête de Paranormal, et ce que vous allez voir est bien réel. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode au château du Max. Là on est en train d'installer le matos un petit peu. Il est quoi? Il doit être 21h à tout casser. On va voir avec qui on est ce soir. On est en compagnie de notre ami Esteban. Mon ami Cricri. Mon ami Fifi. Bonsoir. Bon, elle c'est pas mon ami mais... Maïwen. La violence. Je rigole, oh là là. Elle sait pas qui c'est, une figurante. Annalise. Sandrine. J'ai dit Fifi, oui. Oui, tu m'as dit, oui. Oui, je t'ai dit. Tu m'as bien dit en plus. Ah, je t'ai bien dit. Ah, ouais. Monseigneur Philippe. Il vous en prie. Puis voilà, donc il y aura Sinat Bocage Production avec Christelle et Sébastien qui seront avec nous ce soir. Avec nous. Avec nous. On fait la liaison. Donc, les consignes ce soir, c'est à chaque session qu'on va faire, on va tourner à 45 minutes à peu près. Donc, un minimum de bruit, il faut éviter de se déplacer pour éviter de polluer les sons. Parler clair et laisser vraiment un laps de temps de réponse. Voilà. Pour avoir justement des éventuels PVE s'il y en a. Ça marche. Et si jamais vous observez quoi que ce soit, vous avez des petites fiches d'observation pour chaque pièce. Okay. Et il faudra les noter ce qu'il y a. Soyez prudents, parce que bon, il fait nuit, il fait froid. On est dans le noir, donc il faudra éviter de s'entraver n'importe où. Voilà. Ça marche. Et dans la soirée, il y aura un fil rouge. Donc il y aura une personne qui va aller dans une pièce, tout seul, avec donc caméra, dictaphone, et restera tout seul à peu près 45 minutes aussi. On y va? Ok, c'est parti. You're blinded by the light. You'll follow... Le départ de l'enquête est donné pour les binômes de RP03.
Pour ce premier tournus, Christophe et Philippe se rendent au tribunal. Maïwenn, Sandrine et Anaïs se dirigent quant à elles vers le four à pain. Esteban et moi-même descendons dans les anciennes cuisines du château. Nous allons tenter d'interagir avec, pourquoi pas, une entité, une forme de vie inconnue, des résidus du passé, ou autre chose tant qu'elle veuille bien se prêter à notre jeu, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, vivante, morte, ou les deux à la fois. Il est temps d'arrêter de rêver, d'arrêter de croire et de chercher à savoir. Allons découvrir si le château du Max est réellement le plus hanté de France. Donc du coup, on est dans la pièce qui s'appelle la cuisine. C'est ça, hein, c'est la cuisine ? Ouais, c'est ça, c'est les anciennes cuisines. Ouais, c'est ça, les anciennes cuisines. On est avec un Ovilus. Donc j'ai mis ma caméra principale pointée sur l'Ovilus, comme ça on aura le son de l'Ovilus. Et puis voilà, j'ai mis l'infrarouge. Pour l'instant, on est encore avec un peu de lumière. Toc. Donc on va garder encore la lumière pendant 20 minutes, le temps de faire l'expérience, et les 20-25 dernières minutes, on fera sans lumière, donc l'infrarouge. Donc on va tout d'abord commencer par se présenter. Donc bonsoir, moi c'est Vivien, donc on est là pour essayer de communiquer avec nous, on est ce qu'on appelle des enquêteurs en phénomènes paranormaux. Donc s'il y a des entités, des énergies, des personnes qui souhaiteraient communiquer avec nous, nous laisser un message, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, on n'est pas là pour chasser qui que ce soit, on ne chasse pas les fantômes, on est là pour comprendre, essayer de voir un peu ce qui se passe. Donc je vais laisser Esteban maintenant se présenter aussi. Bonsoir, je m'appelle Esteban et je suis enquêteur paranormal depuis très peu. Je débute et on est là pour essayer de rentrer en contact avec vous. Et on n'est surtout pas là pour vous déranger ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc on a posé sur la table un petit appareil qui a une banque de données, de mots. La théorie veut que vous puissiez piocher dedans. Donc, on va un petit peu vous poser des questions, vous choisissez des mots et vous essayez peut-être de nous faire comprendre des choses. Donc, première question, est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer avec nous via l'appareil orange et noir qui est sur la table ? Sinon, vous pouvez aussi émettre un bruit, taper dans une porte, par exemple, dans du bois quelconque, dans une fenêtre, n'importe quel bruit. Alors, on écoute de très loin parler un peu. Il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus. Ouais, à l'analyse, qu'on se fasse pas avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui aimerait communiquer avec nous ? Quelqu'un dans l'escalier. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce ? Par contre, ça sent bien. Avez-vous vécu dans ce château ? Avez-vous vécu dans ce château ? Le premier élément à analyser ne tarde pas à montrer le bout de son nez. Même si, tu l'as peut-être remarqué, le bruit provient d'Anaïs au premier plan qui pousse un soupir ou se racle la gorge.
Un premier phénomène qui n'en est donc pas un et qui ne sera pas isolé. Anaïs fera tout au long de l'enquête pas mal de petits bruits comme celui-ci. Ils te seront notifiés par un texte pour que tu puisses faire le tri plus facilement. Est-ce que vous êtes les propriétaires de ce château ? Pourriez-vous faire bouger un objet de la pièce, s'il vous plaît ? Voulez-vous communiquer avec nous ? Est-ce que vous avez la possibilité de nous toucher ou de faire, comme il vient de dire, un bruit dans un mur ou bouger une chaise ou n'importe quel objet? N'ayez pas peur, surtout. Hein. Comme on vous a dit, on n'est pas là pour chasser qui que ce soit ici. Ni vous faire du mal. On veut juste discuter avec vous. Donc on est dans les anciennes cuisines ici. Est-ce que il y a peut-être un cuisinier, une cuisinière qui serait avec nous, qui voudrait nous faire un bon petit plat? Ou nous faire sentir une odeur de votre plat préféré que vous aimiez cuisiner à l'époque? Pour le moment, c'est calme. Il faisait plus chaud qu'en haut, mais là, je trouve qu'il commence à se rafraîchir un peu, non? Je sais pas si c'est une impression, mais oui. J'étais en train de me dire la même chose, là. Ouais, je sais pas si on s'habitue un peu à ce qu'il fasse un peu plus chaud ou si ça se rafraîchit vraiment. Je sais pas du tout. Après, c'est quand même calme, et puis moi, je m'y sens plutôt pas mal. Bon, oui, on est très bien. On est très bien. Est-ce que vous avez travaillé ici, dans les cuisines ? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? Est-ce que vous pouvez nous toucher ? Essayez de me toucher, moi. Je vous autorise, je tends la main. Essayez de... soit de la monter, soit de la descendre. D'un coup sec. L'estomac a fait un bruit. Pas mal. On verra. Mais c'est bizarre, d'ailleurs, tu vois, il disait plein de trucs, même à bas niveau, et puis là, il dit plus rien. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de prendre contact avec nous, avec l'appareil qu'on a mis sur la table? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon, ici, pas de mystère. Si tu te souviens bien de l'enquête à l'orphelinat, il s'agit du même phénomène lumineux que nous avons rencontré là-bas. C'est simplement un reflet sur la lentille de la caméra DVR, la lampe frontale d'Esteban en étant probablement à l'origine. Pour preuve, l'artefact apparaît lorsqu'Esteban se tourne vers la caméra et se déplace en miroir par rapport à sa lampe. Le fantôme ne sera pas encore pour cette fois. Allez, on reprend et on ne perd pas espoir. Le dernier mot qui a été dit, c'était 7e siècle. 16e siècle. C'est marqué 7e. C'est vrai ? Autant pour moi. Ouais, après peut-être qu'il y a 17. Hein, moi j'ai compris 16e. Ouais. Bah 16e, ça collerait plus que 7e. Mais... N'hésitez pas à communiquer avec nous. Est-ce qu'on vous dérange ? Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire dépasser un objet de la pièce. Vous pouvez aussi nous toucher.
À quelle époque viviez-vous ? Faut pas avoir peur de nous. N'hésitez pas à parler sur l'objet qui est posé sur la table. Est-ce que vous voulez bien venir communiquer avec nous ? Si vous n'avez pas assez d'énergie, je vous invite à piocher dans les appareils, les différents appareils, les batteries qu'on a, dans les lumières, les caméras, même les grosses batteries qui sont branchées. Un petit peu sur nous, mais laissez-nous de l'énergie. On en a besoin aussi. La grosse caméra. On vous laisse l'appareil sur la table, on va aller dans la pièce d'à côté. Si vous voulez parler dedans, on pourra vous écouter quand même. Est-ce que vous êtes avec nous ? Corner ? Tu veux passer derrière la nuque, ce qui est normal étant donné qu'on a un carreau qui est cassé. Quelle heure il est là ? 22h01. On attend 5 minutes et on se met dans le noir. Allez. Est-ce qu'on vous dérange ? Si oui, n'hésitez pas à nous faire un bruit. Ou nous toucher. Est-ce que vous préférez qu'on éteigne les lumières ? J'espère que c'est quelqu'un. Bah. Ouais, ça fait comme une porte qui se déverrouille. Sauf qu'il y a personne. Nous avons clairement entendu le bruit de la porte du QG, un ou deux étages plus haut, résonner dans les sous-sols du château. En revanche, aucun bruit de pas ne les précède ou ne les succède. Serait-ce là un premier signe, la preuve que nous cherchons ? Analysons cela de plus près. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Une des équipes est à l'origine du bruit. En regardant les rushs, il s'avère que Christophe et Philippe sont bien au tribunal. Au même instant, les filles se trouvent, elles, au four à pain. Il est donc impossible que le bruit vienne d'une des équipes. Peut-être un courant d'air. Cette théorie semble aussi caduque. La porte du QG est extrêmement lourde et peine à se fermer car elle frotte par terre. Ce n'est donc pas ça. Dernière hypothèse, l'équipe de journalistes qui naviguait ce soir en électron libre. Regardons les rushs de la caméra DVR du QG. Eh oui, bingo, quelqu'un est bien revenu au QG. On voit clairement un déplacement dans la pièce sur la nappe. Plus tard dans l'enquête, lors du débriefing de la première partie, on apprendra que c'était bien l'équipe WebTV qui est revenue au QG. D'ailleurs, petite note à moi-même, toujours placer les caméras face aux portes histoire de ne pas s'embêter à trouver un petit reflet dans une nappe pour être certain que ce n'est pas un fantôme. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit avec la porte ? Ou un autre objet ? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, si c'était bien vous ? Il n'y a pas un bruit de pas. Peut-être différence de température. Ce qui fait que là, qu'il y a le bois. C'est comme si on avait soulevé le loquet, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pareil, on est dans une vieille bâtisse, alors... D'ailleurs, je vais plus chaud ici en dessous. J'espère qu'ils ne sont pas fermés.
On va essayer d'éteindre les lumières. Si vous préférez parler avec nous dans le noir, ne soyez pas timide. N'hésitez pas, même si vous voulez vous amuser et nous faire peur. On vous y autorise. Promis, on ne s'en ira pas en courant. On éteint la lumière. Vous pouvez aussi utiliser l'énergie de nos appareils pour vous manifester plus facilement. Vous pouvez également passer devant la caméra qui est sur le côté. Nous aimerions beaucoup échanger avec vous. Un joli phénomène lumineux traversant de haut en bas le champ de la caméra fait son apparition. Il s'agit d'une particule, assez grosse d'ailleurs, comme une petite plume qui se laisse porter par un flux d'air. C'est très joli, mais malheureusement rien de paranormal. Par exemple, vu qu'il faisait froid, une plume d'un manteau semble une bonne piste à explorer. Voyons ce que la suite de l'enquête va nous réserver. Ce n'est pas pour vous déranger. Et si c'était la cuisine? Ah non, il ne faudra pas. Si oui, faites un signe. Si c'était la cuisine, faites un signe. Bouger un objet. Venez toucher la table. Saviez-vous à quelle année nous sommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui souhaiterait communiquer? Donc si vous n'avez pas entendu, je m'appelle Vivien, je suis accompagné d'Esteban. Et on est là pour essayer de rentrer en communication avec quelque chose, quelqu'un, une énergie qui serait restée dans ces murs. Est-ce que vous pouvez dire un mot dans le boîtier orange et noir qui se trouve sur la table, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez essayé d'ouvrir la porte ou la refermer? C'est vrai que c'est chelou parce qu'il n'y avait personne. Et puis, c'est pire quand, si je me souviens, c'est quand j'ai posé la question, faites-moi un signe, quelque chose. Bah, pile après, non, mais c'est vrai que c'était peut-être une dizaine de secondes après, ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Avec la porte, si c'était vous? Je me trouve devant la porte ici de la cuisine. D'ailleurs, il y a pas mal de courant d'air ici. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit avec le loquet de la porte? On pense que c'était le loquet de la porte d'en haut qui a fait du bruit. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant, s'il vous plaît?
que vous voulez essayer de passer devant Esteban, s'il vous plaît. Entre moi et Esteban. Est-ce qu'on peut vous aider ? Est-ce qu'on vous embête ? N'hésitez pas à nous faire savoir. On vous laissera tranquille. Ou si vous voulez qu'on reste, n'hésitez pas à nous faire un signe ou faire un bruit quelconque. On n'est pas là pour vous faire peur, vous inquiétez pas. Ton ressenti ? Moi, je me sens bien, clairement. Fait un peu plus frais, je trouve, mais... Ouais, non, il fait un peu plus frais. Après, il y a le bruit de la porte qui était vraiment étrange. Ouais, après... Ouais. Malheureusement, tu vois, on a demandé de le refaire, ça l'a pas refait. Donc, il y a de grandes chances que ce soit quand même un... Le hasard. Peut-être une porte qui travaille, tu sais, le bois. Avec chaud, froid. En plus, là, tu vois, c'est la nuit qui tombe, la température chute bien aussi. Donc forcément, les matériaux, ils bougent un peu, quoi. Vous étiez un domestique dans le château ? Avez-vous de la famille qui vit dans ce château ? Avant que l'on parte, pourriez-vous essayer de recommencer à faire du bruit si c'était vous ? On va aller dans une autre pièce. J'espère que vous allez nous suivre. Peut-être à tout à l'heure. Bon, alors, il nous reste un petit quart d'heure d'expérimentation. On va essayer de poser le force touch. Hop. Ouais. On est pas mal. J'ai rajouté un petit boîtier noir sur la table ici. Vous allez essayer de venir le toucher sur le gris ici, sur le dessus tout simplement. Et au plus vous allez appuyer fort, vous voyez, au plus les LED vont s'allumer. Et vous avez toujours l'ovilus. On va essayer de remonter légèrement. Rosel. La sensibilité. Qui est Rosel ? Réservoir. 30. Dès que tu augmentes un chouïa, tu vois, ça part en couille. N'hésitez pas à vous rapprocher des appareils. N'ayez pas peur, c'est pas du tout pour vous faire du mal. Toi, c'est tout simplement pour que nous, on voit que vous êtes avec nous ce soir dans cette pièce. N'hésitez pas à toucher la petite boîte noire au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si c'est le cas, faites-le nous savoir maintenant. Soit en disant un mot dans l'ovilus, soit en appuyant sur le petit boîtier noir, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi... Essayez de nous toucher, de dire quelque chose dans les micros. Ce sera peut-être la dernière fois que vous aurez l'occasion de communiquer avec nous. Ou voir avec quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. Si on peut vous aider, on vous aidera. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas bien d'insectes. Tu vois rien, toi, parce que dans la caméra. Non. Non, je vois pas. J'avais peut-être vu un truc tout à l'heure, mais. Peut-être de la poussière plus qu'un insecte, je sais pas. Ouais.
Non, mais cette pièce, elle est vachement saine. Hein. Ouais. Moi, je la trouve vraiment ouais, saine. Il n'y a pas de bruit, mis à part ce fameux bruit de porte, on le notera sur le... dans les observations. Donc là, pendant les 9 prochaines minutes, 8-9 prochaines minutes, on va se taire et on va vous laisser la parole. Donc on va essayer de faire le moins de bruit possible, et vous, vous essayez de faire le plus de bruit possible. À partir de maintenant, ça fait 8 minutes. Allez-y, c'est à vous. Nous finissons cette première partie de l'enquête avec quelques bizarreries qui au final ont trouvé explication. Mis à part des bruits tout à fait humains chez les filles, un reflet fantomatique et une porte qui fut du bruit pour Esteban et moi, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. C'est comme ça que ça se passe, une enquête paranormale la plupart du temps. C'est le calme absolu qui règne. Néanmoins, on ne se décourage pas pour autant. Un tout petit bruit peut totalement faire basculer les choses dans une toute autre dimension. Nos esprits se tournent donc maintenant vers l'acte 2 et le changement de pièce des différentes équipes, histoire de remobiliser les troupes et changer d'approche. Christophe et Philippe descendent donc au four à pain. L'équipe des filles s'enterre dans les sous-sols du château pour se rendre dans les anciennes cuisines, pendant qu'Esteban et moi-même nous dirigeons vers la salle de justice, aussi appelée tribunal. Il ne nous reste plus qu'à entrer en scène une nouvelle fois et voir si quelque chose veut bien bavarder avec nous. Après tout, c'est le château le plus hanté de France, non ? Ouais, c'est là. Résumé du dispositif. Dans cette expérience, on a le résonance EM, couplé avec le VP mic, un dictaphone, le petit pod enregistreur de données ici. Voilà, on va débuter l'expérience maintenant. Right now. On est dans la pièce du tribunal. Donc c'est une pièce qui servait de petit tribunal local à l'époque. Voilà. Donc on va se présenter, ce coup-ci c'est Esteban qui va commencer. Bonsoir, je m'appelle Esteban, donc je suis enquêteur paranormal depuis à peine un an, donc je débute. Et puis on est venu là dans le but d'essayer de rentrer en contact avec vous, sans vouloir vous déranger. Mais écoutez, je sais pas si t'as écouté, comme un bruit de porte qui grince ou de volet. Y'a quelqu'un ? Ah oui. Bon ben du coup, c'est à couper. Bon, de toute façon j'avais fini, ouais. Donc je te laisse Vivien te présenter. Bonjour, bonsoir. Donc moi c'est Vivien. Pareil, moi, je suis enquêteur. On essaye de trouver... des preuves de quelque chose, une survivance de quelque chose, peut-être après la mort, hypothétiquement. Donc, on n'est pas là pour vous déranger. On est là en tant qu'observateur, d'intermédiaire, si vous voulez passer des messages. On est là pour ça. Donc, faut pas hésiter à répondre à nos sollicitations. On n'est pas là pour vous chasser. Pour vous faire du mal, on est là en toute bienveillance pour vous écouter. Donc n'hésitez pas à vous manifester en disant un mot dans le dictaphone posé sur la table. Vous pouvez peut-être écouter aussi une sorte de son qui peut vous attirer. Grâce à la petite boîte noire, le résonance EM, il s'appelle. Et vous avez aussi une grosse boîte noire qui est par terre, au pied de l'hôtel. Donc si vous voulez communiquer avec nous, vous avez toutes ces possibilités-là. Vous pouvez aussi très bien faire un bruit, taper dans une porte, par exemple. Vous pouvez nous toucher, dire un mot dans mon micro de caméra aussi. Vous pouvez vous manifester en passant devant les caméras. C'est au choix, c'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, dans ce tribunal ?
Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous ? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut vous aider d'une certaine manière ? Normal. Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Faites tomber un objet ou touchez-nous, ou vous pouvez nous parler. Vous pouvez également parler à l'objet qui est posé sur la table. Pouvez-vous nous faire un signe ? Bougez un tableau. Bougez un pion de l'échelle. Bien. Bougez une bougie. Pourriez-vous expliquer l'histoire du château, s'il vous plaît ? Pouvez-vous faire un signe ? Est-ce qu'on vous dérange ? Voulez-vous qu'on parte ? Essayez de taper sur du bois, sur une porte. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, le bruit que vous venez de faire ? Comme un bout de chauffage, tu sais. Essayez de faire comme moi. Est-ce que vous pouvez passer au-dessus du petit boîtier noir ici, comme ça ? Est-ce qu'il y aura ici des personnes qui ont été jugées, voire même condamnées à mort ? Qui ont subi des injustices. Après, il y a beaucoup de bois dans cette pièce. Hein. Mmh. T'as tout le panneau en bois là-bas. Bah ouais, c'est le bois où on doit travailler. Ouais, t'as toute la charpente. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ? Si c'est le cas, c'est maintenant. Des ressentis particuliers ? Non, du tout. Non plus. Et toi ? Non, c'est ok. Rien du tout. Rien du tout, à part qu'il fait frais. Donc il fait 8 degrés. Avec 66% d'humidité. 8,9. Il fait plus frais, quoi. Ouais, ça c'est un bout de chaudière, on dirait. Chaudière ou un démon qui grogne. Ça vous appartient tous ces objets ?
se mettre dans le noir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, un peu. Extinction des feux. Est-ce qu'on vous dérange? Je crois qu'il y a une chaise dans le coin. Allez, ah, je le vois. Ouais, tu la vois. Enfin, je le vois sur la caméra. C'est une chaise fantôme. Allez, là. C'est bon, je l'ai. C'est une chaise fantôme. Ça aurait pu. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un son dans les appareils qui sont disposés sur la table ou passer au-dessus du gros cube noir ou vous approcher d'Esteban. Vous pouvez aussi nous toucher si vous voulez. Essayez de reproduire le son que je vais faire. Allez-y, c'est à vous. C'est le bois qui travaille, je pense. Est-ce que Jacques de Gouzol, son neveu, serait avec nous ici? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez essayer de faire le plus de bruit que vous pouvez. 1, 2, 3, allez-y. Y'a vraiment personne dans ce château qui veut communiquer avec nous? On a l'air d'être méchant. Pourtant, c'est pas du tout le cas. Hein. Vous êtes pas obligé de nous croire sur parole, mais vous pouvez essayer de nous parler. Vous verrez par vous-même. Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Si c'est le cas, je vous invite à écrire un petit mot sur le miroir. On va faire un petit tour dans la pièce. N'hésitez pas à écrire quelque chose. Il fait pas très chaud ici. Hein? Message. Ah, je vois des pieds. Bon, comment ça se fait? Oh, c'est des pieds de fantômes. Si je fais un trait sur la poussière, est-ce que vous pouvez faire le même à côté ou un dessin? Faire un morpion, pire. C'est très 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 calme. Ouais. Vraiment très calme. Donc on va stopper cette expérience-là. Ça fait à peu près 45 minutes, hein, grosso modo, qu'on est là. Il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu forcément de ressenti. Il y a eu pas mal de bruit de bois. Ouais, ouais, c'est des petits tocs. À mon avis, c'est le bois qui travaille, je pense. Ouais, ça s'est calmé, là, tu vois. Ou alors, on n'y fait plus attention.
Donc à voir si on a eu des sollicitations avec les micros et tout ça. Comme tu as pu le voir avec nos petits relâchements, cette deuxième partie s'est avérée encore plus calme que la première. Seuls des petits craquements perçaient de temps en temps cette bulle acoustique. Sans aucun doute, le bois de la pièce qui travaille avec les changements de température, de la nuit et les courants d'air. Rien à signaler non plus chez Christophe et Philippe, ni chez les filles. Pour ce troisième et dernier tournus avant le quartier libre, les règles du jeu changent un peu. Cette fois-ci, Philippe se rend seul dans les cuisines. Les filles qui devaient se rendre au tribunal se sont égarées, elles enquêtent donc dans une pièce en cours de réaménagement à l'aide de la Kinect. Notre binôme se dirige en direction du four à pain. Quant à Christophe, il s'essaye au fil rouge avec un peu d'avance. Cette fois-ci, nous pourrons suivre Philippe grâce à la caméra DVR et le dictaphone. C'est donc lui qui a l'honneur d'ouvrir la marche pour la partie 3. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Philippe. Je suis ici pour communiquer avec une présence qui pourrait se trouver dans cette pièce. Je suis très heureux d'être avec vous et vous poser des questions. Je voudrais savoir votre nom. Pour ce faire, pour communiquer et me donner votre réponse, vous pouvez parler dans cet objet. Votre message sera enregistré ou également par l'intermédiaire de cet autre objet posé sur cette table. Vous pourrez ainsi donner des mots, des noms, des sons qui seront retranscrits et enregistrés. Donc nous voici dans ce qu'on appelle le four à pain. Il fait pas très chaud non plus ici. La pièce est plus petite, donc là j'ai amené une petite boussole, je vais la poser sur la table et on va commencer. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici avec nous? Si c'est le cas, vous pouvez bouger l'aiguille de la boussole, s'il vous plaît. Veuillez parler dans le dictaphone qui se trouve juste sur la table ici. Ça va enregistrer votre voix. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez mettre, faire tourner l'aiguille du côté qui pointe vers moi ou du côté de Vivien, si vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom ou celui d'Esteban? Est-ce que vous travailliez ici avant? Ou est-ce que vous y travaillez encore, d'ailleurs? On raconte que dans ce four à pain, il y aurait peut-être une entrée pour des galeries souterraines qui auraient servi à cacher des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes là? Si oui, manifestez-vous. Vous pouvez passer devant la caméra? Vous voulez que l'on parte? Est-ce vous que l'on vient de voir? Si oui, pouvez-vous lever votre main droite pour montrer que c'est bien vous? Et la laisser en l'air, s'il vous plaît? Pourriez-vous marcher? Voir si c'est bien vous que l'on voit? Je vais me retourner. Pourriez-vous me suivre?
Maïwenn détecte une silhouette sur l'écran de la Kinect. Ne faisant pas partie du protocole à la base, je n'ai pas jugé bon d'enregistrer cette dernière. C'est dommage, mais pas terrible non plus, quand on connaît les travers de cette solution dite SLS. La Kinect est connue pour être capricieuse et détecte n'importe quoi comme étant une silhouette humaine. Pour rappel, elle est à la base faite pour jouer sur une console ancienne génération. Déjà à cette époque, et pour l'utilisation normale, les joueurs se plaignaient de fausses détections qui rendaient parfois les parties compliquées. Maïwenn demande à la supposée « apparition » avec de gros guillemets de lever le bras. Apparemment, la silhouette a plutôt décidé d'avancer. Maïwenn filme un tas de chaises ou de tables les unes sur les autres. On hypothèse donc que ce qui a été détecté est tout bonnement un des très très nombreux faux positifs de ce genre d'appareil. De plus, la silhouette ne semble pas donner de réponse directe. Décidément, le château du Max cache bien ses fantômes ce soir. Veuillez vous manifester ici, en ma présence. Faites du bruit. Un son. Bougez un objet. Allez-y. Veuillez vous manifester ici et maintenant. Allô, il y a quelqu'un ? Est-ce que je suis le bienvenu ? Est-ce que je suis le bienvenu ? Pour ce premier PVE avec Philippe, oui, je dis premier car tu verras qu'il va y en avoir beaucoup. Nous allons revenir dessus à la fin de cette partie en profondeur, mais avant cela, j'aimerais quand même analyser cette séquence. Personnellement, j'entends clairement une voix qui se détache et semble être d'origine féminine. Je crois entendre « dans ta chambre ». Ben oui. Alors, est-ce une voix venue d'ailleurs ? Je ne pense pas. Si tu fais bien attention, juste après, on peut écouter des bruits de pas et une porte qui claque, signe que quelqu'un part du QG. Probablement encore ici, l'équipe de WebTV. Mon hypothèse est donc que cette voix qui a été captée par le dictaphone est bien celle d'un être vivant en chair et en os. Je vais maintenant te laisser écouter attentivement jusqu'à la fin de cette partie tous les PVE et on revient dessus. Communiquer à l'aide de ces appareils électroniques un peu bizarres pour vous et je vous écouterai. Plus tard, ou par cet intermédiaire de cet appareil, vous pourrez me transmettre une information. Allez-y. Est-ce que vous pouvez faire un bruit comme celui que je vais faire maintenant ? Essayez de reproduire le signal. Pouvez-vous faire bouger l'aiguille de la boussole, s'il vous plaît ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite séance de Spirit Box pour voir un peu si on a d'autres interactions. Parce que là, c'est vrai que c'est très très calme. Let's go. Donc j'ai allumé une petite boîte noire qui est sur la table. N'hésitez pas à poser votre voix sur le bruit qui en sort, si vous le pouvez. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce ? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer ? Est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que vous nous écoutez ? S'il y a quelqu'un avec nous, essayez juste de nous répondre par oui ou non si vous n'avez pas envie
de nous parler, ou si on vous fait peur, ou de nous demander de partir. Vous avez envie de parler avec nous? On est bizarre. On dirait un camion qui fait le temps. C'est bizarre. N'hésitez pas à parler bien fort, qu'on vous entende. Jacques de Gouzol, ça vous dit quelque chose? Qui êtes-vous? Dans l'extrait qui suit, j'ai directement mis l'audio nettoyé et amplifié pour ne pas trop surcharger la vidéo. Alors ouvre tes oreilles et bonne écoute. Si j'étais le nouveau seigneur de ce lieu, qu'auriez-vous à me dire? Manifestez-vous. De quelque façon que ce soit. Allez-y. Manifestez-vous. Faites un bruit, faites bouger un objet. Il y a des clés sur cette table. Il y a des bougies. Faites bouger un objet. Faites un bruit, un son. Allez-y. Quelle est la chose importante que je dois savoir? Dites-vous que c'est le moment de pouvoir vous exprimer. Après, il sera peut-être trop tard. Nous en irons. Donc, profitez de cet instant exceptionnel pour vous. Dites-nous ce que vous faites ici, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Dites-nous pourquoi ce lieu est intéressant pour vous. Donnez-nous votre information, votre message. Allez-y.
D'après vous, en quelle année sommes-nous? Nous sommes en 2021. Le saviez-vous? Dites-nous une information importante que nous pourrions transmettre à vos descendants. Allez-y. Bien, on va essayer de démêler tout cela. Déjà, toutes les voix semblent être celles d'une femme. Le premier PVE n'est pas spécialement très net, mais je pense avoir compris. J'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. Une réponse plutôt cohérente à la question de Philippe. Le deuxième PVE est difficile à décoder. Je ne parviens pas à comprendre la première phrase de ce qui peut être dit. En revanche, pour la deuxième, j'écoute « tu vois ». Je n'ai pas l'impression que la voix réponde à une question posée. Pour le troisième PVE, j'écoute « on joue ?» Chose qui peut répondre à ce qui a été demandé. Que faites-vous ici? Pourquoi ce lieu est intéressant pour vous? Le quatrième, bouger la bougie. On peut vite faire le raccourci avec le fait que Philippe, quelques minutes avant, demande de bouger un objet. Le cinquième PVE est pour moi le plus surprenant car la voix est cette fois-ci assez nette. Je pense écouter « manger » ou « bouger », c'est différent. Très net, certes, mais aucune corrélation avec une quelconque question posée. Pour finir, mes oreilles comprennent « bouger »,« bouger », et quelques secondes après, Philippe se lève. Hasard ou pas, nous allons voir, passons l'analyse. Mais par où commencer? Déjà, par se calmer et prendre du recul, car même si tout semble coïncider à première vue, j'ai bien peur d'avoir été victime de pareidolie additive et de biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est quand on cherche à prouver sa théorie avec des faits, alors qu'il faudrait élaborer une théorie à partir de faits, car à force de chercher, on peut trouver des tas de choses qui peuvent coïncider. Une des raisons est que j'ai dû mettre beaucoup de filtres sur l'audio pour pouvoir tirer quelque chose qui ressemble surtout à une belle bouillie sonore. Il est alors très facile pour le cerveau d'écouter ce qu'il veut là-dedans. Le moindre petit bruit peut devenir une voix avec cette bande sonore complètement déformée par les filtres. Conformément à notre protocole, j'ai soumis les audios à différentes personnes de l'équipe, présentes ou non lors de l'enquête, sans leur dire quoi que ce soit. Chacun écoutera des choses différentes, ce qui pour ma part confirme plus ou moins l'hypothèse de pareidolie. En revanche, nous sommes d'accord sur un point. Le PVE numéro 5 nous laisse un peu perplexe, car elle est bien plus nette que les autres. Est-ce la preuve là d'une activité paranormale? Je reste sceptique et dubitatif sur la question, car au final il est possible de trouver facilement une explication, même si j'aimerais y croire. Il se peut que ce que l'on écoute soit dû à une autre équipe, un peu plus loin, ou à l'équipe mobile de WebTV comme ça a été déjà le cas dans l'enquête. De plus, c'est un grand château vide, donc par résonance, on pourrait très bien écouter une personne parler au QG quelques étages au-dessus. Afin de trancher sur la question, je vais utiliser un outil précieux, le bon sens. Même si certains de ces PVE paraissent « spectaculaires » entre guillemets de prime abord, il est bien plus plausible que nous ayons été victimes de pareidolie et ou d'avoir capté une personne physique parlant plus loin dans le château que d'être entré en communication avec le royaume des morts. En additionnant le tout, on se retrouve avec plus de contre que de pour. 1. Le gros filtrage du son. 2. La présence d'une équipe mobile est totalement imprévisible. 3. La présence d'autres équipes dans un environnement assez grand et vide, soumis à une grande réverbération. 4. La probabilité de pareidolie qui est quand même assez élevée. 5. La possibilité de biais dans ma première approche. La conclusion la plus plausible et la moins coûteuse dans ce cas-là est que tout ce que l'on vient d'entendre est très probablement d'origine tout à fait rationnelle. La fin de l'enquête approche à grands pas. Nous voici en quartier libre pendant que, tour à tour, nous nous rendons au fil rouge dans la chambre bleue. Avec Esteban, nous avons choisi d'aller tenter notre chance dans une des chambres d'hôtes libres ce soir.
que vous souhaitez communiquer avec nous? Si c'est le cas, faites un bruit. Vous pouvez faire bouger un meuble, allumer des lumières. Je vais me mettre sur le fauteuil pour avoir une autre vue. Comme ça, on couvre l'ensemble de la pièce. Bien. Je sais pas si on vous l'a dit, moi c'est Vivien et je suis en compagnie d'Esteban et on fait partie d'une association qui enquête sur les phénomènes dits paranormaux. Inexpliqué. Et on est à la recherche justement de ce possible autre monde. Donc si effectivement vous êtes dans cet autre monde, essayez de nous faire un signe. Tapez contre un mur. Bougez une chaise. Allumez une lumière. Essayez de vous matérialiser peut-être. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce ? Est-ce que vous voulez que je vous laisse une place à côté de moi? Si vous voulez vous asseoir à côté de moi? Est-ce que vous pouvez venir aussi vers moi si vous le souhaitez? C'est vous qui choisissez. Soit vous allez vers Esteban, soit vous allez vers moi. Vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Est-ce que c'était votre chambre à vous? Il n'y a pas un pet de bruit. C'est chaud. C'est tellement apaisant, je te dis, je m'endormirai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Essayez de vous manifester, s'il vous plaît. On est venu là, exprès pour vous. La courtoisie voudrait que vous nous donniez au moins un signe. Qu'on ne rentre pas bredouille. Est-ce que vous voulez qu'on éteigne les lumières? Allez, venez vers nous et essayez de nous toucher, de nous faire peur. Je crois qu'il n'y a absolument rien dans ce château. Je crois que Monsieur tous ceux qui sont passés là, avec leurs petits pods, leurs petits K2, se sont fait de gros films. Mais c'est le truc, c'est que c'est calme, mais de chez calme, quoi. C'est, ouais. Y a pas un bruit, y a pas rien. À l'orphelinat, c'était pareil. Est-ce qu'on essaierait pas d'éteindre les lumières? Genre, tu restes là, moi je vais de l'autre côté. Si tu veux, ouais. J'ai une chaise devant moi, est-ce que vous pouvez la faire bouger? Qu'il y a un certain Jacques de Gouzol. Approchez-vous de moi. Essayez de me toucher. Alors j'ai plein d'appareils sur moi, mais ça vous fera aucun mal. Hein. Juste pour
pour filmer. Est-ce que vous voulez pas essayer de nous faire peur? Je suis sûr que vous y arriverez pas. Essayez de faire comme moi, taper sur le mur. 5 fois. Non, c'est calme de chez calme. Je crois qu'on va retourner au QG, non? Bon, on va vous laisser. Merci si vous avez donné les réponses. Merci à vous. On les a peut-être pas écoutées sur le moment, mais on les écoutera peut-être à l'analyse. On verra si vous avez été bavard ou pas. Comme Esteban l'a si bien dit, la chambre d'hôte nous a procuré aucun frisson. Tout était très calme, reposant, comme si nous étions dans une bulle et que rien ne parvenait à la faire éclater. La fatigue se fait sentir et l'enquête au château du Max va bientôt être close. Mais avant de partir, il reste un endroit que je ne t'ai pas encore montré. La fameuse chambre bleue où nous avons installé le fil rouge. La chambre bleue, d'après Léon dit, est l'un des hauts lieux du paranormal au château. C'est pour cette raison que tour à tour, nous nous sommes relayés pour essayer de capter quelque chose. Malheureusement, rien de très concret ne va se passer. C'est pour cette raison que tu ne verras que les moments les plus intéressants de cette partie. Il ne se passe à rien, mis à part lorsque c'est à mon tour de fermer la marche à la chambre bleue, accompagné d'un nouvel outil à l'époque, encore en phase de test. La chambre bleue. Le but du jeu, c'est d'être tout seul. On va monter de cette petite chambre bleue où se passe l'expérience interdite. Pouf pouf. Salut le hamster. Comment ça va le hamster? Du coup, j'ai ramené un petit peu d'amour aussi. Poum. Donc je crois qu'il faut se mettre dans le noir. Tais-toi les hamsters. Donc je vais poser ma caméra ici. Donc voici un petit peu le dispositif. On a le petit hamster qui est ici, qui répète tout ce qu'on dit. Coucou. Ça va? Voilà. On a un pad ultrason et un pad à pression de force. Donc je vais éteindre mes lumières et puis on va essayer de faire des interpellations. Comme dispositif, toute la soirée, donc il y a eu une caméra qui tourne avec lumière UV infrarouge. Extinction. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? J'ai avec moi la petite mascotte. Qui répète tout ce qu'on dit. C'est assez amusant, vous pouvez essayer si vous voulez. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le petit carré qui est sur le lit, ou une lumière verte qui s'allume? Appuyez sur le dessus. Comme ça. Essayez de faire pareil. Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Maintenant. Parce qu'on va pas tarder à partir. En tout cas, la soirée est très très calme. Ouais. C'est vous qui appuyez sur le petit carré?
Allez-y, appuyez plus fort. Encore. Wow. Merci. Vous êtes avec moi? Si c'est le cas, appuyez sur le petit carré. Comment vous avez fait? Essayez d'y faire monter au moins jusqu'à la moitié. Appuyez très fort. Sinon, je vais m'en aller si je ne voulais pas parler. Essayez de parler près du petit hamster en peluche. Dans le pot de touch, j'ai bien un peu de s'allumer comme ça. Je trouve que l'ambiance ici est un peu plus angoissante. Après, est-ce que c'est la fatigue qui commence à arriver? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je parte, que je vous laisse les appareils tout seul? Bon, ce que je fais, c'est que je vous laisse les appareils et puis je viendrai chercher. On viendra y rechercher. Si vous voulez vous amuser avec pendant que je suis pas là, c'est du plaisir. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec. Donc là, il y a eu un truc un peu bizarre. C'est que le force pull s'est déclenché. Ça a allumé 3 LED qui n'étaient jamais arrivés. Est-ce que c'est le froid, l'électricité statique? Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Mon tout nouveau dispositif fait maison s'est déclenché à plusieurs reprises. Malgré tout, il est important de savoir que cet outil était à l'époque, et donc en 2021, en phase de test. La première fois qu'il se met en route, c'est lorsque je le pose sur le lit et présente le dispositif. Puis, juste après que je l'ai moi-même touché pour tenter d'attirer l'attention. Il se déclenche ensuite plusieurs fois. Et à ce moment-là, le pod semble répondre à mes sollicitations. Pour finir, pendant la quinzaine de minutes où je laisse mon matériel sans personne dans la pièce, il se déclenchera aussi plusieurs fois. Alors, réel contact ou est-ce tout à fait rationnel? Comme d'habitude, cherchons d'abord à éliminer toute cause rationnelle avant de pouvoir supposer que c'est paranormal. Commençons par le fait que pas plus de 2 ou 3 LED ne s'allument à chaque fois lors de ces supposés contacts. Cela me suggère que c'est peut-être un faux contact qui, avec l'humidité ambiante, fait plus ou moins contact et me renvoie une information erronée. D'ailleurs, cette nuit-là, j'ai essuyé pas mal de bugs avec mon matériel. Pourquoi tu les appareils déconnent aujourd'hui ? C'est aussi à prendre en compte. On voit ensuite qu'il s'active juste après que je l'ai touché. Un signe d'un mauvais contact ou alors d'un composant défectueux. J'ai donc continué mon investigation et fait de nouveaux pod touch avec les capteurs qu'il me restait. Il s'avère que certains d'entre eux sont défectueux et ne réagissaient pas comme ils le devraient. Même si de prime abord, certains déclenchements paraissaient répondre à mes sollicitations, il n'en est rien. À l'analyse, on voit que très peu de temps se passe entre la fin de ma question et le début du déclenchement. Allez-y, appuyez plus fort. Il est donc fort à parier que là encore, aucun contact ne se soit malheureusement passé. Le château du Mac s'est récemment fait connaître au travers d'enquêteurs et youtubeurs reconnus. Toutes les vidéos que j'ai pu regarder entre notre enquête en 2021 et aujourd'hui montrent un ou plusieurs phénomènes soi-disant inexpliqués. Inexpliqués pour une personne, mais peut-être pas inexplicables. Sont-ils seulement allés au bout des choses, ou ont-ils choisi la facilité et le spectaculaire? Pour ERP03, la conclusion de l'enquête dénote complètement avec celle de ces personnes sur le château du Max.
De mon point de vue, l'enquête au château du Max, elle a été vraiment très très calme. Je doute qu'il soit vraiment habité par autre chose que des êtres vivants. Pas de bruit, pas d'ambiance bizarre ou autre, donc c'était vraiment une soirée très calme pour nous. On a tenté, on a essayé, on n'était peut-être pas là au bon moment, ou peut-être que ce château n'est pas du tout habité par des entités. Déambuler dans un château comme celui-ci de nuit n'a rien de rassurant, et pourtant nous nous y sommes sentis plutôt à l'aise. Bien. Peut-être y a-t-il encore, parfois, passé et présent, qui se rejoignent et laissent transparaître des bribes d'un passé révolu. Mais en tout cas, pas ce soir, et pas avec nous. Même si aucun mystère n'est resté irrésolu ce soir, nous ne perdons pas l'espoir d'un jour trouver le phénomène qui nous fera totalement basculer dans une toute autre dimension. Le jour où la croyance n'aura plus sa place dans le paranormal, le jour où nous pourrons dire « Maintenant, je sais. » Vous avez regardé Enquête de Paranormal et tout ce que vous avez vu était bien réel.